Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, si on se retrouve sur cette vidéo, c'est parce que j'ai trouvé un petit site qui permet de jouer au jeu. Je sais pas si tu connais entre ça et ça, tu préfères quoi? Ben moi je préfère ça entre la fin du monde et la fin des haricots, tu préfères quoi? Moi je préfère la fin des haricots. Enfin tu vois le genre de délire? Est-ce que tu vois le genre de délire? Je me suis dit que ça pouvait être marrant, alors c'est parti. Bon, et eh bien voilà, alors le site s'appelle JTP, le jeu tu préfères.fr, voilà, donc voilà, c'est dit. Maintenant, on va essayer de découvrir tout ça. Hop. Alors, vous voyez que là, il y a plusieurs catégories, autres, avis, corps humain, situation, trash, actualité, sport, marque, personnage, série TV. Tu préfères te faire violer par un chameau ou manger toute ta famille? Je sais pas quoi dire. Ouais. Enfin, manger toute ta famille, c'est chaud quand même. Hein. Ah, allez, on va dire que ça pourrait être agréable. Voilà. Oh, celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est très belle. Te faire mettre un cactus de 30 cm de diamètre dans l'anus, te masturber avec du papier de verre. Alors là, dans les deux cas, moi, ça m'intéresse pas. Ouais, celle-là, elle est, hein, elle envoie du pâté, celle-là. Ah ouais, dans un cas t'as plus d'anus et dans un cas t'as plus de queue quoi. Bon, allez, ça pourrait être agréable. Alors là, tu préfères violer Ariana Grande ou te faire violer par Ariana Grande? Il y a une nuance. Ah. Bah écoute, comme ça on pourra dire que je suis pas responsable. Et ouais. Alors là, tu préfères te branler devant ta mère tous les jours jusqu'à la fin de ta vie ou te faire sucer tous les soirs par la meuf la plus moche du monde? Mais alors là, il n'y a pas photo. Hein. Voilà. Je comprends même pas les gens qui mettent 19%, c'est bizarre. 19% des gens qui veulent se branler devant leur maman. Des délires chelous les gars quand même. Bon, je pense que vous avez bien compris le genre de questions qu'il y a dans le truc trash. On va un petit peu changer. On va prendre... Tiens, actualité, ça a l'air bien actualité. Alors, tu préfères vivre éternellement sous le règne de François Hollande ou vivre avec un Chinois qui ne parle pas français comme président? Bah, le choix est vite fait. Hein? Bah, là, les gens, vous faites une grave erreur, je pense. Hein? Vous faites une très très grave erreur. Ah, tu préfères être le mec de Nadine Morano ou être la meuf de Jean-Marie Le Pen? Bon, je pense que ça c'est moins grave quand même. Hein, c'est moins pire. C'est moins pire, c'est moins pire. Préfère marcher avec un talon cassé sur 20 km ou courir en talon aiguille sur 200 mètres? Ah ben je mets pas de talon, personnellement. C'est un choix que j'ai fait, je mets pas de talon, non. Non, non. Au début je voulais, mais non. Hein, je sais pas. Vous avez une idée, vous? Enfin, moi, je vois. Ah, hop, j'ai fait le bon choix. Alors, avoir un beau t-shirt, mais un pantalon pourri, avoir un t-shirt pourri et un pantalon magnifique. Sachant qu'au pire, si t'as un t-shirt pourri, tu peux te balader torse nu, ça passe. Alors que si t'as le pantalon, ça passe moins, quand même. C'est ma logique à moi, après. Hein. On me juge pas, peut-être que vous, si vous avez un pantalon pourri, ça vous dérange pas de vous prendre sans pantalon, moi. Hein. Ça, c'est... Hein. C'est pas mes histoires après, hein. C'est vous qui vous démerdez avec votre conscience. Hein. Bon, maintenant, on va aller chercher une question dans la catégorie trash et ce sera à vous d'y répondre dans les commentaires. Vous êtes chaud? Allez, c'est parti. Celle-là, elle m'a l'air bien. Alors, ne plus avoir de bite toute ta vie, c'est-à-dire t'as plus jamais de bite, plus jamais t'as une bite, ou te faire branler par ta mère tous les jours toute ta vie. Donc ta mère tous les jours te branle. Voilà, toi, dis-moi dans les commentaires ce que tu préfères. Allez. Sur ce, moi je te dis à très très bientôt pour prochaine vidéo, prochain live, etc. etc. C'était Crouch Gaming pour te servir. Allez, à plus. Ciao tout le monde.